Cette méditation a pour but de vous permettre de rencontrer votre guide de lumière. Nous en avons tous un. Le vôtre est là, près de vous, juste à côté de vous. Depuis le premier jour et jusqu'au dernier, il aura à cœur de vous guider, de vous protéger et de vous aimer. C'est vers lui que je vous propose d'aller aujourd'hui, à la rencontre de votre guide de lumière. Je vous invite pour cela à prendre une position confortable, à fermer les yeux et à vous détendre, à vous laisser aller. Vous laissez aller à cet instant. Abandonnez-vous à la détente. Offrez à votre corps un moment de repos, un moment de répit à votre esprit. Vous n'avez rien à faire. Surprenez-vous à ne plus penser et à oublier votre quotidien. Vos pensées sont fluides, légères, aérées, comme une brise. Concentrez-vous sur votre respiration et suivez-la. Elle va vous accompagner et vous permettre de vous relâcher. Naturellement, sans rien forcer, sans rien chercher, laissez-la faire, laissez-la vous guider, laissez-vous aller. Inspirez et expirez profondément, largement, comme vous en avez envie, ni plus ni moins. Inspirez et expirez. Laissez votre corps se détendre. Chaque partie de votre corps va se détendre, progressivement, naturellement. Chacun de vos muscles se relâche. Ressentez le bien-être, une profonde relaxation s'installer en vous et autour de vous. Créez un espace de paix à l'intérieur de vous. Inspirez et expirez. Suivez l'air à l'intérieur de vous. Cet air, il vous permet de vivre. Il vous permet de rire. Il vous permet de faire. Et il vous permet d'être. D'être présent à l'instant. D'être vivant. D'être heureux. Et il vous procure un profond sentiment de paix. Voilà en sécurité. Alors lâchez tout et abandonnez-vous à la grâce de cet instant. L'expire, lui, va vous nettoyer, vous délivrer, vous délester. Il va vous permettre d'oublier tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous ralentit. Tout ce que vous ne voulez plus. Laissez-le faire et lâchez. Lâchez tout. Oubliez. Inspirez et expirez. Nourrissez-vous et délestez-vous. Ressentez les énergies autour de vous. Elles se modifient. Elles changent. Elles sont plus présentes. Plus puissantes. Elles s'élèvent. Et elles vous élèvent. Quelque chose est en train de se manifester autour de vous. Laissez faire et profitez pleinement de ce qui s'offre à vous. Maintenant. La bienveillance, la paix, la patience, la lumière, la noblesse, la protection, la sagesse et l'amour vous entourent.
Ressentez tout cela être de plus en plus présent autour de vous. Ces énergies, ce sont celles de votre guide qui commencent déjà à vous faire ressentir sa présence. Ressentez-le. Ressentez sa présence et découvrez-le. Petit à petit, ces énergies vous enveloppent complètement et finissent par former un halo de lumière qui se place juste au-dessus de vous. Ce halo de lumière va prendre la forme d'une sphère pour vous envelopper complètement. Voilà à présent à l'intérieur d'une bulle de lumière. C'est un écrin de douceur, une protection, celle de votre guide. C'est sa création, la manifestation de son amour, de tout l'amour qu'il a pour vous. Voilà calé à l'intérieur, en apesanteur, tout va bien. Vous êtes en sécurité, rassuré, serein et confiant. Voilà maintenant prêt à voyager. Et vous allez voir apparaître devant vous sept petites marches qui vont s'éclairer sous chacun de vos pas. Et ensemble, nous allons pouvoir les monter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà arrivé au sommet d'une montagne enneigée, où il fait bon vivre. La température est agréable. L'air est pur et vivifiant. Le soleil est au rendez-vous. Il est juste au-dessus de vous. Le ciel est dégagé, coloré d'un joli bleu azur. Tout va bien. Vous vous sentez plus fort et plus vivant que jamais. Un horizon dégagé. Bienvenue au sommet du monde. Bienvenue dans l'immensité. Profitez de la vue qui s'offre à vous, du magnifique paysage qui est là, juste devant vous, et rien que pour vous. Ressentez la paix qui y règne, et nourrissez-vous de tout ce que la nature vous offre. Gorgez vos poumons. Ouvrez-vous au monde et souriez à la vie. Rendez grâce à la terre, à toute la beauté qu'elle vous offre. Au loin, dans le ciel, vous allez apercevoir un aigle. Regardez-le voler. Il plane. Il virevolte, il est libre, il règne en maître, majestueux, royal. Regardez-le faire, regardez-le être, percevez sa beauté, sa force, son courage, sa noblesse. C'est une divinité de la nature. Il est là pour vous protéger et pour vous guider lui aussi. Il est à présent au-dessus de vous. Il tournoie juste au-dessus de vous. Et il vous demande de le suivre. Et c'est ce que vous faites. Naturellement, vous le suivez. Et vous commencez à marcher d'un pas léger et assuré. La neige craque sous chacun de vos pas. Profitez du paysage, tout brille et tout scintille. Admirez la beauté de la nature, la paix et le bien-être qu'elle vous offre.
nourrissez-vous des énergies de la montagne, pleines de vitalité et d'enthousiasme. Faites-vous ce cadeau. Vous pouvez apercevoir au loin une fumée blanche qui provient d'une cheminée, à peine visible, tant il y a de neige sur le toit, de ce qui semble être un refuge. Vous décidez de vous en approcher. L'aigle se pose alors sur ce toit et vous fixe du regard. Il vous demande de vous rapprocher encore. Voilà à présent face au refuge. C'est un refuge en pierre. Et au centre se trouve une immense porte en bois. Un bois épais et robuste. C'est un lieu apaisant, calme, chaleureux, qui vous donne envie de pénétrer à l'intérieur pour voir ce qu'il dissimule. Vous décidez donc d'entrer et de refermer la porte derrière vous. Sur votre droite se trouve la cheminée. L'âtre, éclairé par de multiples flammes, réchauffe et éclaire la pièce. Au sol sont posées des dizaines de bougies. Elle trace un passage sur le sol qui mène à un immense fauteuil rouge. Un épais fauteuil, moelleux et confortable, placé juste devant la cheminée. L'envie de vous y asseoir et de vous caler confortablement vous conduit vers lui. Voilà maintenant installé, douillettement, levé comme dans un nuage, face au feu de cheminée. Tout va bien. Vous vous sentez extrêmement bien. Ce refuge, c'est votre refuge. Votre espace de paix. Votre lieu de recueillement. Votre chaleur. Votre intérieur. Lentement, au centre des flammes, à travers leur lumière, va apparaître votre guide. Peu importe son apparence. Ne réfléchissez pas et laissez venir à vous ce qui doit venir. Regardez-le. Écoutez-le. Découvrez-le. Et ressentez-le. Je vous laisse ensemble quelques instants.
Lentement, je reviens vers vous. Cette rencontre, c'est une communion, une bénédiction, un soulagement. À présent que vous l'avez identifié, il vous sera plus facile pour vous de communiquer avec lui et de créer un lien d'amour, un lien de confiance. L'entraide, la compréhension, l'écoute, le partage, la connaissance, la réalisation, le soutien, et bien plus encore. C'est tout ce qu'il vous promet de vous apporter quotidiennement. C'est le cœur de son travail, de vous aimer et de vous voir vous épanouir. Chaque instant est magique, car il est unique. Ce moment sera le vôtre à tous les deux. Gardez-le précieusement, au plus profond de votre cœur, comme un cadeau. Une offrande de l'un à l'autre. À chaque instant de votre vie, votre guide sera présent et vous appartiendra de le ressentir. À chaque doute, il vous rassurera. Il vous appartiendra de l'entendre. Dans chacune de vos peurs, il sera présent. Il vous appartiendra de le voir. Il vous conduira toujours là où vous choisirez d'aller. Soyez conforté et rassuré de votre parcours. Votre guide va esquisser un sourire. Un tendre baiser, un signe de la main, et finir par disparaître, comme par magie. Enrichi de ce moment, le cœur léger et rassuré, le regard plein d'espoir, vous décidez de vous lever et de sortir du refuge. En prenant soin de refermer la porte derrière vous, voilà à nouveau au grand air. L'aigle, toujours posé sur le toit, reprend son envol et vous conduit à nouveau sur le chemin du retour. Vous êtes toujours sous sa protection. Il vous ouvre la route et il vous permet de cheminer tranquillement, détendu, serein et d'admirer, de profiter pleinement de tout ce que la terre vous offre, de toute sa beauté, de la force et de la grandeur des montagnes, de la brillance de la neige, de la chaleur du soleil, le bien-être, la paix, la sérénité. Et vous marchez droit devant vous, devant, droit devant. Voilà à présent arrivé en haut des marches. L'aigle, au-dessus de vous, fait de grands cercles et finit par disparaître au loin dans le ciel.
Et c'est ensemble que nous allons descendre les 7 petites marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, revenu dans votre corps. Installez confortablement à votre place. Enrichi de ce moment. Un avenir éclairé. Un présent rassuré. Un passé digéré. Une compréhension et une force. Vous allez pouvoir reprendre lentement conscience de tout ce qui vous entoure. Commencez par ressentir votre corps, à ressentir chaque partie de votre corps, vos pieds en contact avec le sol, vos jambes, vos fesses posées sur le siège, votre dos contre le mur, vos bras, vos mains, vos épaules, votre nuque, ainsi que votre tête. Lentement, vous revenez à vous. Et reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et lorsque vous vous sentirez prêt, lorsque vous en aurez envie, vous pourrez commencer à bouger les doigts, à vous étirer, à bâiller et à ouvrir les yeux.